Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, il est encore temps de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite donc une très belle année 2023, que vous soyez en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir profiter un maximum de cette année. Alors, en ce début d'année, les événements du club sont un peu en veille puisque c'est la période hivernale qui veut ça. Mais c'est aussi le moment où l'équipe terrain réalise les travaux d'hiver. Donc, ils ont procédé à la réfection du chemin menant aux practices. Donc, ce n'était pas du luxe, je vous l'accorde. Mais vous avez maintenant un très beau chemin qui mène jusqu'à la zone sur herbe et j'espère que vous en profitez pleinement. Ils réaliseront prochainement, donc fin février, début mars, la réfection de 4 départs sur le 18 trous, 3 départs d'âme, mais aussi le départ des jeunes du trou numéro 4 qui sera modifié, agrandi, parce qu'il est beaucoup sollicité. Donc ça, ce sont les travaux à suivre et il y aura aussi un départ sur le compact. En attendant, nous avons eu le plaisir de recevoir l'AIMG, donc c'est une promotion de futur directeur de golf. Et on fait un petit clin d'œil à Adrien qui participe à cette promo. Voilà, c'était toujours un plaisir de les recevoir. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu être présente cette année puisque voilà, je me suis fait opérer du pied, mais ça va mieux. Mais ils étaient en bonne compagnie avec Adrien et Nathanel, le directeur international maintenant, qui a fait donc la présentation du groupe à l'international, en France. Et c'était surtout l'occasion de présenter Châteaublanc et son évolution. En janvier, c'était aussi le premier rendez-vous de nos chefs d'entreprise, donc notre club à faire le 42-67. Et pour cette occasion, je vous propose de retrouver Stéphane pour son interview. Le club 42-67, historiquement à Châteaublanc, c'est un club qui a été créé par notre ancien directeur Nathanael, en collaboration avec Jean-Louis Tourtoulon. Le but, c'était sur le modèle du club 42-67 qui existait à Paris, de créer un club des chefs d'entreprise qui allait sur le modèle des BNI, des clubs affaires qui existent ailleurs, de fédérer les chefs d'entreprise golfeurs pour leur apporter une visibilité par rapport à nos membres et à l'extérieur par des moyens de communication, des compétitions, voire des déplacements. Nous sommes actuellement 15 membres. Le club s'organise, il y a 10 réunions dans l'année, 10 réunions officielles disons. Il y a des réunions qui peuvent se passer et qui se déroulent à l'extérieur. Nous avons rencontré le club affaires du club de Somman, donc nous sommes assez dynamiques de ce côté-là. Nous allons faire une sortie cette année à la rencontre des autres clubs 42-67 de Toulouse, Bordeaux. Et cette réunion sera au mois de novembre et ce sera un week-end au PGA Catalunya. Le déroulement d'une réunion type au sein du club de Châteaublanc, c'est un atelier de 11h à midi où en général on fait venir un intervenant extérieur. Soit un pro avec un trackman où on essaye de faire des ateliers un petit peu ludiques, disons. Ensuite, il y a un apéritif qui est le prélude à un repas où tout le monde peut discuter et échanger. Et puis, quand même, le maître mot, ce qui nous unit au club 42-67, ça reste le golf quand même. Indépendamment des affaires, indépendamment de la communication que l'on peut avoir sur et autour du club. Et après, il y a un parcours 18 trous avec tous les membres. Autour d'une passion qui est le golf, on essaye de fédérer ce groupe et surtout de communiquer auprès de nos membres, puisque le but du jeu, c'est quand même d'avoir une relation gagnant-gagnant. C'est d'essayer à travers ce club-là d'apporter un service à nos membres. On tient à conserver quand même l'état d'esprit de golfeur. On souhaite en priorité avoir des golfeurs qui nous rejoignent et pas être un club à faire comme il en existe ailleurs. Ce n'est pas notre rôle. Ils font ça sûrement bien mieux que nous aussi. Nous, on reste concentrés sur les golfeurs qui veulent s'investir dans le club auprès des membres et autour, évidemment, puisqu'on communique sur les réseaux sociaux notamment.
Merci Stéphane pour cette interview et ce beau programme pour 2023. Si vous aussi vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez rejoindre l'équipe du YouGolf Avignon Châteaublanc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil de Stéphane ou de moi-même, on saura vous renseigner. Vous dire qu'il y a le report de la Coupe de Noël, donc ce sera le premier week-end de février, mais les conditions météorologiques nous avaient forcé à annuler cette compétition, mais elle aura bien lieu donc samedi 4 pour les enfants et dimanche 5 pour les adultes. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil. C'est la fin de ce point actu, on se retrouvera au début du mois de mars pour les nouvelles actualités du club. À très bientôt.